Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous en ce deuxième dimanche de l'Épiphanie. Ici, ou devant votre écran d'ordinateur, nous sommes réunis en la présence de Dieu, avec notre attente et portant avec nous les attentes aussi du monde en ce temps de morosité et de tristesse. Nous venons vers Dieu comme il vient à nous en Jésus. Il sait par expérience à quoi ressemble la vie des humains que nous sommes. Nous venons avec notre foi, avec nos certitudes, mais aussi avec nos doutes. Nous venons avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs ou nos inquiétudes. Nous venons peut-être aussi avec nos joies et notre reconnaissance envers Dieu. Nous venons tels que nous sommes parce que c'est lui qui nous invite à venir le rejoindre et il a promis de ne jamais se détourner de nous. Dans tous les cas, quelle que soit notre situation, notre humeur, notre ressenti de ce matin, soyons assurés que Dieu est parmi nous, il est avec nous. Et nous chantons le premier cantique, 271, Louange et gloire à ton nom, les quatre strophes. Et nous lisons du psaume 89, les versets 2 à 5 et 27 à 30. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis,
La bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai sa postérité, ta postérité à toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Gloire soit à Dieu le Père. Jésus, là où tu es né, au milieu de Joseph et de Marie, ta crèche n'était pas fermée, tout le monde pouvait entrer. Jésus, quand tu es né, tu as voulu que tout le monde puisse venir te voir, parce que tu es venu pour le monde. Avant que tu ne naisses, Jésus, Joseph et Marie n'avaient trouvé que des maisons aux portes fermées, fermées au secret de Dieu. Ils ont trouvé ouverte une étable, une pauvre étable. Mon cœur, il est aussi peut-être ouvert ou fermé pour aimer. Mes mains, elles peuvent aussi être ouvertes ou fermées pour donner. Ma vie, elle peut être ouverte ou fermée pour faire vivre. Aujourd'hui, Jésus, tu ne nais plus dans une étable, mais tu veux naître, dire le secret de Dieu dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. Tu veux des millions de crèches pour habiter le monde. Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre. Tu veux des millions de visages pour donner la paix de Dieu. Tu veux des millions de Noël pour donner ton Noël. Ouvre les maisons fermées par la peur ou par la richesse. Ouvre les cœurs fermés par le chagrin ou par l'égoïsme. Ouvre les visages fermés par la colère ou par le manque d'amour. Jésus, viens ouvrir nos sourires et nos lèvres, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour que la paix et la joie se répandent par toute la terre. Devant la crèche, tu me vois. Encore plus dans notre misère, si misère il y a. Au contraire, n'est-il pas écrit dans sa parole « Mon serviteur ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. » Car ne nous a-t-il pas écrit que nous sommes précieux à ses yeux, soulagés et confiants, pardonnés, accueillons-le en notre cœur. Ensemble, nous chantons « Sois le bienvenu, Seigneur ». Je t'en prie,
42, les versets 1 à 9. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en toi, espérant sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné sa respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Et nous chantons « Réjouis-toi, peuple fidèle ». À ce moment-là, Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et au même moment les cieux s'ouvrirent pour lui. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Une voix venant des cieux dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. » Adorons tous le Seigneur. Avec Philippiens 2, versets 6 à 11. Jésus possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié, et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement
Le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Vous pouvez vous rasseoir. Prions. Dieu notre Père, quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Dieu béni, pour les siècles des siècles, accorde à tes enfants d'adoption que nous sommes nés de l'eau et de l'Esprit, de demeurer dans ton amour. Éclaire de ta lumière radieuse nos cœurs, notre humanité et nos intelligences par ta parole, pour laquelle nous te sommes reconnaissants et que nous écoutons maintenant. Amen. Et nous lisons dans Romains 12, les versets 1 à 8. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de nous, ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun, selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais il a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu ? Qu'il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir ? Eh bien, qu'il serve. Quelqu'un a-t-il le don d'enseigner ? Eh bien, qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres ? Qu'il les encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin et que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Après avoir écrit ce qu'il avait compris de la grâce de Dieu, cet amour de Dieu qui se donne aux êtres humains que nous sommes sans y mettre de conditions que celle de l'accepter pour en vivre, l'apôtre Paul poursuit sa lettre aux Romains. Et que dit-il ? Eh bien, tout d'abord, que si nous sommes abreuvés par l'amour de Dieu, par sa compassion, sa miséricorde et de son esprit, tout naturellement, nous pouvons en tirer les conséquences pour nous-mêmes dans nos pratiques ecclésiales et dans nos relations aux autres. À cela, deux conditions sont posées. Ne nous y trompons pas, qui que nous soyons ou quoi que nous fassions, qui nous semble juste et légitime, cela ne l'est que parce que nous sommes légitimés par un autre que nous, qui est Dieu. Si nous prenons quelques exemples laïcs en France, comme dans un certain nombre de pays, le président de la République, les députés, les sénateurs, les maires ne s'auto-proclament pas. Ils sont élus et c'est de là qu'ils tirent leur légitimité. Ensuite, ils peuvent gouverner. En Église, il en va de même. Que nous parlions de reconnaissance des ministères ou d'ordination, un pasteur ne tire pas sa légitimité
que parce qu'il est appelé et reconnu dans sa fonction par ses pairs au service de l'Église avec l'aide de Dieu. Et au service de Dieu, évidemment. Il en va de même pour la reconnaissance des divers ministères de l'Église, conseillers presbytéraux, aumôniers, diacres et autres serviteurs de l'Église, organistes. D'où cette phrase prononcée après les engagements « Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me vienne en aide ». Phrase que nous entendrons dans quelques semaines ou dans quelques mois après les nouvelles élections au Conseil presbytéral et dans les diverses instances de nos églises. S'il y a reconnaissance humaine, notre légitimité ou justification de ce que nous sommes, nous la devons à Dieu. Notre légitimation nous vient de Dieu. C'est ce que Luther écrivait quand il disait « Ce n'est pas en faisant ce qui est juste que nous devenons justes, mais c'est en tant que nous sommes justifiés par Dieu que nous faisons ce qui est juste. » Et c'est ce que fait comprendre Jésus à Jean-Baptiste lors de son baptême. Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus. À raison, dirions-nous. Il avait tort. Jésus ne pouvait commencer son ministère sans être baptisé, symboliquement sans être mort au péché et être relevé à la vie par Dieu. Une fois baptisé par Jean-Baptiste, la voix de Dieu qui s'est fait entendre à lui l'a légitimé, justifié. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, » dit-il. Fort de cette justification donnée par Dieu le Père, habité de l'Esprit de Dieu, Jésus pouvait commencer son ministère, non sans avoir été auparavant tenté par diverses formes de pouvoir. Ce sont les textes de l'Évangile qui suivent, les tentations. La deuxième condition, nous dit l'apôtre Paul, est que nous devons offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Expression forte que celle-ci, qui nous dit que chaque fois que j'ai une décision à prendre, je dois commencer par m'inscrire dans l'amour de Dieu, sans quoi je serai, comme l'écrit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13, je serai comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Autrement dit, je serai quelqu'un de creux, de vide, d'insignifiant. Bien sûr, Paul continue son raisonnement en nous exhortant à ne pas nous conformer au monde dans les décisions que nous avons à prendre. Il ne s'agit pas en ce moment de ne pas suivre les recommandations de distanciation sociale et de port de masques qui nous sont faites depuis bientôt un an. Mais il s'agit de tout autre chose. Il s'agit de ne pas nous conformer à tout ce qui nous mettrait à distance de notre être profond et de nous mettre à distance de la réalité qui nous environne et des êtres humains. Cela reviendrait à mettre à distance nous-mêmes déjà, mais aussi le pauvre, le nécessiteux, l'étranger, migrant ou non, ou tout simplement celui qui a besoin d'une bonne parole, d'une parole d'encouragement, d'une simple écoute, ou alors d'une aide matérielle. Que chacun de nous ne se juge pas non plus supérieur à un autre. Chacun de nous a un charisme, un don, ou plusieurs dons qui lui sont propres. Il en va de même pour les églises. Celle de Rome n'était pas celle d'Éphèse, ou celle de Corinthe, ou celle de Jérusalem. Chacune avait ses propres particularités. Dans cette même ville de Mulhouse, nombreuses sont aussi les églises de diverses confessions. Bientôt, nous allons entrer dans la semaine de l'unité, sans complexe d'infériorité ou de supériorité. Nos intelligences sont diverses et variées, elles sont appelées à se renouveler continuellement au contact de l'intelligence ou de l'Esprit de Dieu, seul capable de transcender notre intelligence, de la transfigurer,
Nous ne sommes pas dotés d'une intelligence pour la mettre sous le boisseau ou pour nous en vanter, mais plutôt pour être capables de lire de l'intérieur, untus legere en latin, pour voir les êtres humains ou les sociétés humaines ou la communauté ecclésiale ou nous-mêmes tels que Dieu les voit. Exercer cette intelligence demande parfois de l'étude, étude théologique, mais pas seulement, de la réflexion, du temps, de l'écoute et de l'attention, de la réflexion et de la prière, et beaucoup de modestie. Pour ne pas briser le réseau déjà cassé, et pour ne pas éteindre la mèche qui brûle encore, selon les paroles d'Ésaïe 42. Patience, fidélité, endurance et pondération nous sont nécessaires dans la mesure de notre foi. Voilà à quoi nous appelle Paul par la grâce qui lui a été donnée individuellement sur le chemin de Damas ou alors en Église. Si tous ensemble nous accordons à déployer celle-ci sans jugement ou suspicion, nous pouvons, sans retenue et solidairement, avec zèle, dit Paul, qui pratiquer son ministère, qui enseigner, qui s'adonner à l'action sociale et bien d'autres choses encore. L'essentiel est de nous conformer à la volonté et à la parole de Dieu tendue par son amour. Nul besoin d'imaginer constamment des choses extraordinaires. Certes, elles peuvent advenir de temps à autre, tel rassemblement œcuménique, ou rassemblement d'église, ou conférence, ou repas festifs paroissiaux. En ce moment, nous en sommes plutôt privés. La plupart du temps, et actuellement, nous sommes appelés à vivre l'ordinaire, au jour le jour, sans extravagance. Cela ne nous empêche pas d'être créatifs. Nous sommes appelés à être pondérés, tolérants dans nos relations, pour laisser la place au prochain. Vous connaissez tous cette réflexion de l'amoureux reprise par la petite marchande dans le livre de Daniel Pénac. « Je t'aimerai toujours » et sa partenaire de lui répondre « Contente-toi de m'aimer tous les jours » avec pondération. À Pentecôte, l'Esprit de Dieu permet à chacun d'entendre l'Évangile dans sa propre langue maternelle, celle de l'intimité. L'Esprit de Dieu ne nous conduit pas à être tous pareils comme des moutons de Panurge. Et Basile de Césarée, un père de l'Église, écrivait « C'est la même eau fraîche et féconde qui tombe sur le champ, afin que fleurisse rouge le coquelicot, rose la rose, et bleu le bleuet. » L'enjeu de l'accompagnement spirituel ou de la vie chrétienne, de l'accompagnement spirituel, quelle que soit sa forme, et de la vie telle que chacun peut la vivre, que ce soit pour ce qui est de la vie spirituelle et de l'engagement études bibliques, entretien, culte, et d'élargir nos tentes afin de laisser à chacun découvrir sa couleur pour briller de toute sa beauté. Amen.
vous invite à chanter « Qu'il fait bon à ton service », le cantique 426, les quatre souffrants. Celle du 24, du dimanche 24, qui aura lieu à Sainte-Marie avec les catholiques la paroisse réformée Saint-Jean. Celle-là se tiendra donc à 10h à Sainte-Marie, au centre-ville. Il y a une incertitude pour l'autre qui doit regrouper toutes les églises, y compris les églises évangéliques, à Tabor. Et là, nous ne savons pas si nous la maintenons ou pas, puisque les horaires sont à cause des horaires. Voici venu le moment de l'offrande, que chacun donne selon ce que son cœur lui aura dicté et selon ce qu'il peut. Thank you.
nous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous as révélé ta gloire. Ensemble, nous te prions pour les églises de par le monde, pour leurs pasteurs et leurs responsables, pour celles et ceux qui annoncent l'Évangile, afin qu'ils incarnent ta parole là où ils se trouvent, avec conviction et courage. Nous pensons plus particulièrement à ceux des pasteurs ou des dirigeants, des responsables d'église et à leurs paroissiens qui vivent dans des pays où l'intolérance religieuse sévit. Pour les hommes et les femmes qui dirigent la destinée des peuples et pour tous ceux, élus ou non, qui nous représentent et qui doivent prendre des décisions en ces temps de pandémie, de crise économique, afin qu'ils ne perdent pas courage, qu'ils luttent contre l'injustice sociale et veillent au respect du droit de chacun. Pour les personnes âgées ou plus jeunes qui souffrent de la famine et de la guerre, de l'intolérance religieuse, de l'isolement social, de la pauvreté matérielle et morale ou morale. Pour les membres des familles qui connaissent en leur sein des conflits, quelles qu'en soient les raisons, que l'amour du Christ nous pousse à ne pas les ignorer, à les rencontrer quand cela est possible, dans le respect de leur personne, afin de soulager leurs souffrances et de prier pour elles. Dans le silence, nous te confions les situations qui nous tiennent particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, roi de gloire, nous te louons d'avoir fait lever sur nous la brillante étoile du matin en Jésus-Christ. Que sa lumière éclaire nos obscurités et nous guide dans le temps présent et pour l'éternité. Amen. Et ensemble, nous nous levons et nous disons cette prière que Jésus a apprise à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et voici le mot d'ordre de cette semaine, qui est tiré de Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et nous chantons que la grâce de Dieu soit sur toi. Le cantique 892. Abraham, la bénédiction du Fils né de Marie, la bénédiction de l'Esprit Saint, descende sur vous et il demeure à jamais. Il vous bénit celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui, le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.